Ah! Bonsoir. Ah! La caméra marche pas. Ah bah super. Bonjour. Je suis pas là. J'espère que vous avez bien. Que vous allez bien. Je suis absent. Ce que vous entendez, c'est une voix qui vient des tréfonds. Qui vient des tréfonds. Ouais. Bonjour. Comment est-ce que ça va, vous? Alors... C'est n'importe quoi, eh. J'arrive, hein. La caméra veut pas. Why? Pourquoi la caméra veut pas? Ça y est, c'est fini? Rip the caméra? Ah, ça n'a pas fait tit tu lui dites. Bon, en attendant, je vous mets un peu quand même un... Voilà, histoire que... Vous voyez que... Ah bah non, du coup. Vous voyez rien du tout. Eh, hey, nique la pluie. Ouais, ah mais là, c'est un truc de fou, hein. C'est l'apocalypse chez moi. Voilà, on va mettre ça comme ça. C'est l'apocalypse ici. Et c'est tellement l'apocalypse que du coup, ça fait trois fois que l'électricité s'arrête et reprend tout de suite. Mais assez longtemps pour que le... Pour que tout simplement, ben, le PC s'arrête. Donc si jamais ça le fait pendant la soirée, on poussera pas le bouchon trop loin. Et on dira au revoir au stream pour ce soir. Je suis en vélo et j'étais en pull dehors avec le sac de litière. Oh là là. Force. Force et honneur, bien évidemment. À toi, mon petit centaure. Et bonjour. D'ailleurs. Bon, faut que je rajoute une source, c'est ça? Putain, c'est fou, hein. Alors, j'ai passé un petit peu de moment, un petit peu de temps sur OBS, parce que du coup, j'aimerais passer sur OBS. Là, je suis sur... Sur Streamlabs. Wesh bébé. J'adore. Pourquoi wesh bébé, tout ça? Et Bébé Pixel est rentré sous la flotte. En scout. Donc pensez bien évidemment à Bébé Pixel. Hein. Parce que tu disais bonjour. Ah pardon. Oui, effectivement. Effectivement. Ok, on va y arriver. Hein. Je suis là, je suis en train de régler 2-3 choses. Voilà. Bon déjà, vous allez avoir ma tête. Coucou! Bonjour! Bonsoir! Désolé d'être poli, hein. Ah non, mais non, mais ce que j'allais parler de Bébé Pixel. Pour moi, bah bébé, j'étais en train de me dire, merde. J'ai parlé de Bébé Pixel, déjà? Bah attends. Ou alors, il est en avance dans ma tête. Bon, je fais juste 2-3 réglages. Histoire de pouvoir... Live, tout simplement. Et après, promis, on joue. Bon, comment ça va, vous? Comment ça va, vous, là? Qu'est-ce que ça dit? Alors, tac. Alors du coup, oui, j'ai passé un petit moment sur OBS. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. J'ai passé un petit moment sur OBS. Parce que j'aimerais passer sur OBS, parce que sur OBS, on a beaucoup de choses en plus qu'on peut faire pour s'amuser, pour personnaliser le stream. Et là, j'ai commencé un petit peu à personnaliser 2-3 choses et tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle! Je pense qu'on va bien s'amuser si on passe sur Streamlabs et sur OBS. Et en plus, avec OBS,
on utilise moins de ressources. Donc en vrai, ça peut être que bénéfique pour mon PC. J'ai fait des tests un petit peu. Et voilà. Et tout ça pour dire que eh ben, j'ai passé du temps à regarder un petit peu les scènes, tout ça, machin. Et puis là, qu'est-ce que je fais avec Streamlabs? Ben je gère les scènes, mais en live. Super. Ah, super. Déjà hâte que le mois se termine. Ah ouais? T'en as marre? T'en as marre? Parce que quand il y en a marre, ben il y en a marre. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Tchouk tchouk, tchouk tchouk. Et normalement, si je fais ça. Ouais, salut, hop. Ouais, bon, ça, c'est normal. Boum. Boum. Et boum. Ok. En octobre, mon patron a posé une semaine et il a décidé de fermer la boutique. Merde! Ah non, mais fermé pendant une semaine. Pas fermé définitivement. Donc une semaine de vacances, oui, d'accord, ok. Pour moi, fermer boutique, c'était fini. On arrête. Non. Une semaine. Une semaine forcée, du coup. Oh, t'as vu les chats? Ouais. Alors regardez les gens, je vais vous montrer ça, hein, parce que... ce sont des beautés sur le Discord. Ouais, exclamation Discord, bien évidemment, pour ceux qui veulent le rejoindre. Pour ceux qui veulent le rejoindre, pardon. De magnifiques chats, Centaure nous a partagé. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté de chat. Regardez-moi ça! Oh là là, cette tête! Ce sont les chats des parents de mon meilleur ami. Oh là là! Ah bah les chats des parents de ton meilleur ami sont magnifiques. Il y a des couleurs écailles de tortue là, magnifique. Écailles de torture. Écailles de torture. Écailles de torture. Écailles de tortue Angora. Magnifique. Très magnifique pied. Très magnifique chaussure. Et un deuxième chat, enfin troisième chat du coup. Très beau. Comme dit BPixel, magnifique. Cœur, cœur. Bien évidemment. Très beau. Très, très beau. Et je m'occupe d'eux pendant leurs vacances. C'est top! Très bonne action. J'allais lâcher une grosse vanne à la Totof sur le fait de montrer sa chatte, mais c'est pas les siens. C'est pas les tiens. Non, c'est pas les miens. Minou! Il y en a encore deux ou trois autres, trop bien. Merci. Tenez, juste pour le délire, on va écouter une musique. Parce que du coup, quand j'entends cette intro, j'ai envie d'écouter la suite. Mais c'est la musique de la Team Rocket, mais version hip-hop. Oui. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'entendre la suite à chaque fois. Donc, on va l'écouter. Et après, on partira sur le jeu. Tu veux une photo de ma chatte? Ouais, je confirme, ouais.
Salut à tous. Bienvenue sur le live de ce soir. On n'est pas poli, nous. Non, non. Team méchant, ouais. Je m'ambiance tout seul. Mais c'est pas grave. On est content. On est content. On est content. On est content. Ah. On est content. Ah. Ah. Salut à tous, c'est Gilouel. Et on est en mode relax. Bon. Et warning, attention, chez moi c'est le déluge, chez moi c'est la tempête, donc je vous le dis tout de suite, si le live coupe, c'est parce que l'électricité a coupé, et ça revient, hein, mais voilà. Donc, je pense que selon où on en est dans le jeu, on relancera, sinon, on évitera peut-être, parce que du coup, ça fait déjà 3 fois que ça saute. Hein. Si tu connais pas, va écouter Epic Pixel Battle. Dalton contre Team Rocket? What? Attendez, parce qu'on écoute pas n'importe quoi, hein. On n'a pas envie d'être copyright, hein. Enfin, d'être strike. Dans ton clash... Ah mais si! Bon, la vidéo est 100% copyright, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui l'a créé, donc on va éviter d'écouter. Oh, si. Si, c'est un contenu. C'est un contenu qui a été créé par un créateur, qui a une chaîne, tout ça, donc je pense que la vidéo, ça strike une fois la VOD sur YouTube. Ça marche, pas de soucis. Donc voilà, warning, si jamais ça s'arrête, le stream, je vous tiendrai au courant dans le chat si on revient. Ou si on vient pas. Du coup, avec tous ces chats et ce tonnerre et ces musiques, tout ça, j'en ai pas profité pour dire bonjour. Bonjour à vous, là, qui regardez cette VOD et qui regardez ce stream, là. Salut. Et j'ai trouvé une voix, vous là, ouais. J'ai trouvé une voix sur mon voice mode. On dirait la voix du troll dans le donjon de Navelbuck. Voilà. Donc voilà quoi. On s'amuse comme on peut, hein, vous savez. Donc ce soir, on va faire Man of Medan. Vous avez vu, il y a 2 sessions de Man of Medan ce soir, cette nuit. Oh là là. Je vais parler comme ça ira mieux. Ce soir, on va faire du Man of Medan. Mais il y a 2 sessions dans la semaine. Voilà. Réponse du créateur, non je crois pas. En tout cas, on me l'a pas dit. What? Compliqué ce soir. Mais oui, c'est compliqué. Les pixels qui rentrent sous la flotte. N'averse une tempête. Que dis-je, un déluge? C'est compliqué sur tous les bords, hein. Alors attention. Bon allez, je retourne sillonner Rosier. Des bisous à toi, petit senteur d'amour. À très vite dans la vie. Bisous. Et merci d'être passé. Bon allez. Trêve de bavardage. Je vais lancer incessamment sous peu The Dark Pictures Anthology of Medan. Attendez.
Vous êtes sur le point d'installer The Dark Picture Anthology, Man of Medan. Attends. Quoi? Ouais, va farmer, Pandemonium. Au boulot. Qu'est-ce qui se passe? What? À quel moment? Attendez, c'est quoi ces conneries là? Man of Medan est désinstallé. Je pige pas. Premier degré, je comprends pas. Tout à l'heure, j'ai fait un test de live pour voir si ça tournait bien, parce que du coup, je suis en train d'essayer de passer sur OBS à la place de Streamlabs. Et j'ai fait un test. J'ai joué à Man of Medan il y a une heure. Pourquoi il me demande de l'installer, ce con? Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je ne comprends pas. Parce que du coup, si je l'installe là, pareil, est-ce que mes sauvegardes vont être encore existantes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je comprends pas. Ok, alors attendez, j'essaie de trouver le fichier local de Man of Medan. Eh ben c'est bien. Sinon on se fait un téso. Hein. Bon, où est-ce que c'est? S'il vous plaît, monsieur le PC, j'aimerais trouver Man of Medan. Parcourir les fichiers locaux. Come on. Stream app. What? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vais le réinstaller. Je pige pas, hein. C'est un truc de fou. Je comprends vraiment pas. Quelqu'un a une explication à ça ou pas du tout? Installé dans Stream Library. Des Stream Library. Alors attendez. Tac, 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 tac. On va aller regarder ça. Ok. D'accord. Trop bizarre. En plus, quand j'ai redémarré mon PC, il m'a demandé de me reconnecter à Steam. Alors qu'habituellement, il reste connecté. Est-ce que c'est possible que... Je suis en train de partir dans un truc complètement loufoque, mais... Que le redémarrage... Relance Steam. Ouais, peut-être. Mais là, dans mes fichiers locaux, j'ai même pas... Je vais me déconnecter. Dans mes fichiers locaux, j'ai même pas... J'ai même pas Man of Medan. Ok, bon après si on perd pas la progression, tant mieux. Après, s'il faut le réinstaller, je comprends pas. Ouais, ouais. Ouais, dans le sous-dossier Steam App, mais dans Steam App, j'ai deux trucs. J'ai GTA et... Et
et... Je regarde dans ma bibliothèque pour essayer de me souvenir, mais non. J'ai GTA et Tezo. C'est tout. J'ai pas tous les autres trucs. J'ai d'autres trucs aussi. J'ai Jurassic World. J'ai Smite. Est-ce que le redémarrage, le fait que ça ait sauté les plombs, ça peut le désinstaller? Ça me paraît chelou, hein. Ça me paraît vraiment chelou. Là, j'ai redémarré, j'ai rien. J'ai même encore le raccourci sur le bureau et tout. Ah, attendez. Je vais suivre le lien, le... Où est-ce que le... Propriété... Il est où, cet icône? C'est fou, hein. Ah non, c'est pas possible qu'il le supprime, on est d'accord. On est complètement d'accord. Users, Arnaud, desktop, desktop. Bah oui, mais desktop, ça c'est le... c'est le bureau. C'est dingue. C'est fou. Enquête Valve sur le matériel. Souhaitez-vous répondre à cette enquête? Ouais. Faut que je réponde à l'enquête pour avoir mon jeu, c'est ça? C'est... Je comprends pas. C'est trop bizarre. Puis là, si je le dèle maintenant, ça va me prendre 40 minutes. Enfin, c'est une estimation, mais bon. Ouais, c'est chelou. Très chelou. Vraiment. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et qu'il n'y a pas de raison, c'est trop bizarre. Alors je redémarre mon PC. Ah, j'ai lancé le téléchargement là. Toubidou, toubidou, doudari deroui. Je suis confus. Je suis très confus. Je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tadidoum. Tadidouim. Tidadoum. Je fouille, hein, je suis désolé, c'est pas le live le plus... Salut, hello bro, comment ça va? Bienvenue à toi, comment vas-tu? Ouais, je suis désolé, c'est pas le live le plus interactif, le plus fou. En vrai, je vais me mettre en just chatting, hein. Et on va discuter, hein, on va faire des jeux, je sais pas. Mais je suis un peu dégoûté, là, je comprends pas. Mais comment ça se fait-il que tu sois en live? Comment ça? Bah parce que c'est prévu. comment cela se fait-il que tu sois là, ce soir? Hello bro. Bah en live le mardi soir. Mardi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi la journée. Petit hello. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Mais si. Nous sommes en live certains soirs dans la sommerne. Et là, j'ai un problème technique. Non. non quoi. Là, j'ai un joli problème technique que je comprends pas du tout. J'ai Man of Medan qui s'est désinstallé de mon PC, il est introuvable. Et ouais.
Synchronisation impossible. Ok. Steam n'arrive pas à synchroniser avec le cloud. Donc déjà. Relance Steam, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais pas le relancer toutes les 5 minutes. Au bout d'un moment, si ça marche pas... je réessaye, hein, je relance. Je relance, on va bien voir. Donc oui, Man of Medan qui a disparu de mon PC. Alors que j'y ai joué pour tester il y a une heure. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment chelou. Steam te lancera pas le jeu tant qu'il aura pas fait son micmac avec le cloud. Ça peut prendre des plombes. Donc au pire, coupe-le et fais gaffe à tes sauvegardes. Coupe-le quoi ? Couper le cloud ? Ouais, mais là, le fait que j'ai relancé le téléchargement de Man of Medan. Il estime peut-être qu'il n'existe plus, tu vois. Sur l'homme de Medan. Bah ouais, ouais, j'ai relancé le téléchargement, donc... Alors, je sais pas où c'est, on a désactivé le cloud. Quand je suis dans ma bibliothèque et que je clique droit sur Man of Medan, j'ai géré, désinstallé tout ce machin. Propriété peut-être. Enregistrer les sauvegardes dans le cloud. Ah là, c'est mort. Il a lancé le téléchargement, c'est mort. En vrai. Il est à 10%. Tant pis. J'aurais dû voir le truc du cloud avant. Zut. Zut, zut. Eh, mais J'avais mis en pause pour chercher le... Pour chercher le cloud, tout ça. Donc là, je l'ai réactivé, je relance le téléchargement. Voilà, il est à 11%. Bon, ben, on prie pour qu'on arrive à 62 giga très vite, sachant qu'il est déjà 20h32. Et bienvenue à tous sur ce live. Ah, ça arrive, hein. Petit problème technique, hein. En vrai, je me tâtais à lancer carrément mon live de ce soir avec OBS, plutôt qu'avec Streamlabs. Je me suis dit, quitte à, voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bug, tout ça, machin. Et au final, je l'ai pas fait. Et j'ai peut-être bien fait. Parce que du coup, j'aurais eu sinon un bug avec OBS. Peut-être, ça se trouve, c'est pas dit. Et en plus, avec Man of Medan. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, en attendant ? Qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas du Man of Medan ? Parce que pareil, je voulais voir un truc. Alors aussi, bonne fête à tous les Bertrands, hein. Donc si vous vous appelez Bertrand, saucisse à vous. Saucisse ! Voilà. Oui, je voulais voir un truc. Tout à l'heure, je suis allé voir dans la catégorie, au tout début où je streamais. De Man of Medan sur les lives en français. Ah bah si, on y est. Ah bah je comprends pas. Bizarre. Bah si, on est premier. On est premier sur 3 sur Man of Medan. On est premier et on fait pas du Man of Medan. Ça veut dire quoi, ça ? Razut.
Oh, je suis vraiment dégoûté, hein. Parce que je comprends pas. En fait, ce qui m'agace le plus, c'est que je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. Alors qu'il n'y a pas de lieu... Il n'y a pas lieu d'être, en fait. C'est chelou qu'un jeu soit désinstallé après une coupure de courant. Enfin, ça me paraît bizarre. Surtout qu'il n'était pas lancé. Puis même lancé ou pas, il n'y a pas de raison que ça corrompt les fichiers. Enfin, si, un arrêt brut du PC, ça peut corrompre des fichiers, ça peut faire quelque chose, mais... Ouais, je sais pas, c'est super chelou. C'est vraiment très chelou. Je vais mettre une musique un peu plus dynamique. Hop. Hop. Musique. Voilà. Ça sera un peu mieux. Ce sera un petit peu mieux. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que quoi ? Twi, twi, doo. Twi, dip, tali, twi, tali, twi, tali, twi, twi. Ok, en vrai, on en est où ? Suivant actualité de Steam, on s'en fout. On s'en balance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Man of Medan se télécharge assez vite. On en est à... Ouais, putain, on est loin. Hein. On est à un quart. On est à un quart du téléchargement. Je cherche quoi faire. J'ai limite envie de faire un Fall Guys pour rigoler. Fall Guys ou je lance Jurassic World. Jurassic World, il y aura pas de comment. On a perdu un follower encore. C'est fou. À chaque live que je lance, je perds un follower. Mais je le perds quand je le lance. Tezo, bah why not hein. En fait, le truc, c'est que... Désolé, hello bro, je vois que ton message maintenant. Mais... En fait, je voulais lancer Tezo, mais je me dis que voilà, il y a de la connexion, tout ça, machin. Il y a de la bande passante, en plus du live. Alors qu'un petit Jurassic World, là, posé... Je pense que je vais faire ça. Je vais lancer Jurassic World. Et puis voilà, on va jouer un petit peu. On va jouer une petite heure. Et puis on se fera des bisous après. J'avais envie de jouer un petit peu à des jeux ce soir. Je suis dégoûté que ce soit pas Man of Medan. Vraiment, je suis dégoûté. Parce que zut, quoi. Photo de ma chatte. Ah. Et Centaure qui nous a partagé une photo de sa chatte. Sur le Discord. Si vous voulez voir ça, bien sûr, c'est sur le Discord que ça se passe. Point exclamation Discord pour ceux qui n'y sont pas. Bien évidemment. Allez. J'arrête ça. La musique. Boum. Je lance Jurassic World. Et on va voir ce que ça donne. On en est où ? Arrêt du téléchargement. Ah ! Quand il y a un jeu de lancer, t'arrêtes le téléchargement ? On va pas y arriver. Hein. Bon, bah, je sais ce que je vais faire alors. Je vais pas jouer à Jurassic World, mais on va faire des trucs sur internet, c'est-à-dire des genres de quiz ou des machins. On va voir des trucs, on va trouver quelque chose. Et voilà. Et comme ça, le téléchargement du jeu se fera quoi qu'il arrive. Et on s'amusera, quand même. Enfin, je m'amuserai.
après, vous, si vous voulez m'accompagner, dans mes réflexions, dans tout ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc, tac, tac, hop, je gère mes scènes, histoire quand même que ce soit propre. Et Bpixel, elle avait mis des choses là. Blind test entre amis, Scribble, Jetpunk Quiz, et culture Zutom, c'est quoi ça Zutom? Ah bah ça existe plus. Alors, il y a un jeu qui existe, je sais plus ce que c'est. Il permet de pouvoir dessiner quelque chose et vous, vous pouvez le chercher dans le chat. Ça va, Malilou? Bonjour, Manino. Après, si vous êtes occupé à côté, ce sera peut-être compliqué de répondre et de jouer avec moi. Mais... il y a un truc avec des quiz. Capitale d'Asie, non. Capitale d'Amérique du Sud, non, je suis très nul en capitale. Hein. Culture générale, choix multiples. Pays commençant par la lettre E. Devinez la langue. Oh, compliqué ça. Jeu vidéo de la série The Legend of Zelda. Je suis très nul à ça aussi. E. C'est vrai. E. T'habites où? J'habite à E. Oh. Et coucou. Coucou Katepio. Bienvenue. On devait lancer un jeu ce soir. Mais mon PC n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Très 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 bizarre. Mais bon, c'est un problème que je réglerai en dehors. Mais... en échange... on va faire du... on va faire du, des petits quiz culture générale, tout ça, tout ça. On va s'instruire. Parce que sur cette chaîne, on aime s'instruire aussi. On aime s'instruire, on aime apprendre des choses. Je vais juste changer le titre de mon live. On apprend des choses parce que Man of Medan marche pas. Voilà. Et je vais juste changer ma catégorie. On va se mettre en just chatting, de hein, toute façon. Hein. Hop là, tac tac. Voilà, comme ça c'est géré. Et comment ça va, Ketpio? Ok. Attention. Boum. Ça va. Ah, parfait. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? Culture générale numéro 1. Choix multiple. Ok, donc, pense choix multiple. Saurez-vous trouver les réponses de ces questions à choix multiple de culture générale? Attention, à culture générale quoi? Parce que je vois des animaux, là, mais... Ah, y a vraiment de tout, j'ai l'impression. Alors, combien d'années vécu l'éléphant le plus vieux du monde, connu à ce jour? L'éléphant le plus vieux du monde, 17 ans, non. 49. Non. Je me tâte entre 86 et 142. Combien d'années vécu l'éléphant le plus vieux du monde? 86 ou 142? 60? Mais il n'y a pas 60. On dit pas 60, il n'y a pas 60. C'est 17, 49, 86 ou 142. Il n'y a pas 60. 46? Ah ouais? J'aurais dit plus, moi. J'aurais bien dit, moi, 86. Hein. C'est parce que tu sais? Et puis, il n'y a pas 46. C'est 49. 49 ou 86? Pas 46. Non. Allez, moi, je suis sur ma première proposition. J'étais à 86. Je me dis 86, c'est pas mal.
Après, le plus vieux 142, ça fait peut-être beaucoup. Hein. 49. Allez, 49. Ah mince! Ah oui, c'est vrai qu'il y a du temps. 4 minutes. Oh, combien y a-t-il d'anneaux sur le drapeau olympique? 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça, c'est Audi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. Qu'est-ce qu'un tarsier? Un primate, un lézard, un oiseau. Je crois que c'est un oiseau, le tarsier. Comment Spider-Man a-t-il obtenu ses pouvoirs? Il est né avec, il s'est réveillé à la suite d'une morsure d'araignée radioactive. Hop. Combien pèse en moyen une balle de tennis réglementaire? 23 grammes. Allez. Lequel de ces animaux n'existe pas dans le zodiaque chinois traditionnel? L'ours. Lapin, dragon, chien, oui. Qui sont les brahmanes? Je sais pas, c'est ceux qui servent des cocktails, les brahmanes, non? Un groupe de rock californien, le membre d'une autre caste indienne. Ce mot est totalement inventé. Mot inventé. Combien y a-t-il de trous dans une balle de bowling standard? 3? Oui, 3. Pour un catholique vivant en France, la fête de Pâques peut-elle être célébrée en mai? Non? Pâques, c'est quand déjà? Je sais plus quand est-ce que c'est Pâques. Quelles sont les couleurs principales du drapeau de l'Espagne? Rouge et jaune? Rouge, jaune, bam. Comment s'appelle ce symbole? Ça, c'est... Esperluette. Dans le conte de Perrault, qu'apporte le petit chaperon rouge à sa grand-mère? À sa mère grand, même. Une miche de pain, un peu de beurre? Non, confiture, confiture. Galette. Galette? Il y a de la confiture. C'est de la confiture et du fromage? Pas du tout. C'est un truc solide. Genre du pain. Du beurre? Galette. Galette, pot de beurre? Miche de pain et du beurre. Oh, il reste 1 minute 50. Miche de pain. Miche de pain et du beurre. Qu'est-ce qu'un physalis? C'est une plante. Voilà, en forme de lanterne. Comment s'appelle le chef du village d'Astérix? Abraracoursix, c'est le... Non, c'est le... Attends, Abraracoursix. Si, c'est ça, hein. Assurance Tourisme, c'est pas lui. Abraracoursix, c'est qui? C'est comment le barde, là? C'est Assurance Tourisme. Fruit. Beurre, fruit. Mais y a pas... Oui, ça, oui, si, fruit, pardon, oui, parce que t'es en décalage. Allez, 1 minute 15. Le panda géant est-il une espèce d'ours? Ou... Je crois pas, hein. C'est un urcidé? Est-ce que c'est un urcidé, le panda? Le panda géant? Hein, je sais pas, ça. On apprendra quelque chose. Au Scrabble français, combien de points vaut la lettre J? Oh! Bpixel. Bpixel pourrait nous le dire. 0, 8 ou 10? 8? Bah, 0. Ok, on a 40 secondes pour peut-être revenir sur un truc. 49, ok. Combien y a-t-il d'anneaux? 7, oui. Qu'est-ce qu'un tarsier? C'est un oiseau, c'est sûr. Quoique, attends, tarsier. 8? Toi, tu dis 8. Ok, bon, bah, je dis 8 alors. Je dis 8 aussi. 23 grammes pour la balle de ping-pong, là, de tennis, pardon. ou 58 grammes? Peut-être 58, hein. On va... 112, ça me paraît trop. Nanana, il faut finir? Finir le quiz. What? Bravo, tu as gagné un point à ce quiz. Pour sauvegarder ton score, tu dois te créer un compte. Ok. Alors, on revient. On revient sur tout. C'était 86, j'en étais sûr. Induit en erreur, jusqu'au bout, hein. Ok. Donc c'était bien 86 ans, l'éléphant le plus vieux du monde, connu à ce jour. Évidemment. 142, ça me paraissait trop. Combien y a-t-il d'anneaux dans le drapeau olympique? 5, donc c'est bien 5. Comme Audi, du coup, en fait. Ah non, Audi, c'est 4. Oui, c'est 4 et en ligne.
Eh oui. Trop bizarre. J'avais en tête que Audi, je sais pas pourquoi, Audi, il y avait deux étages. Ok. Combien y a-t-il de nous? Ok. Qu'est-ce qu'un tarsier? C'est un primate, le tarsier. Mais oui! Mais il y en a aux zoos de Peaugres. Ah non, pas du tout, non, c'est pas lui. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Oui, c'est celui avec le gros yeux, là, qui est trop mignon. Quand il vous regarde, on dirait qu'il lit dans votre âme, regardez. Il lit dans votre âme. Et puis il lit bien, hein. Il lit entre les lignes, hein. Et il connaît tout, là, hein. Il connaît toute votre vie, hein. Ensuite, comment Spider-Man a obtenu ses pouvoirs? Bah oui, bien sûr, en étant mordu par une araignée radioactive, ça on le savait, bah oui. Combien pèse en moyenne une balle de ping-pong de ping-pong géant? Donc c'est bien 58 grammes. Et pas 23 grammes. Eh, j'ai hésité avec le 58. Lequel de ces animaux n'existe pas dans, dans le zodiaque chinois traditionnel? Bien sûr, l'ours, bah oui. Qui sont les brahmanes? Bah, du coup, les membres d'une haute caste indienne. Ok, bon, ça, on savait pas du tout. Je ne savais pas du tout. Enchanté, les brahmanes. Combien y a-t-il de trous dans une balle de bowling standard? 3. C'était bien ça. Pour un catholique vivant en France, la fête de Pâques peut-elle être célébrée en mai? Non. Parce que du coup, c'est une autre date. Mais la question se veut piégeuse. Pour un catholique vivant en France, un catholique qui soit en France, en Espagne, à Marrakech ou n'importe où, ce sera toujours la même date pour fêter Pâques. Selon la définition établie par le Concile de Nicée, Pâques tombe entre le 22 mars et le 25 avril. Quelles sont les couleurs principales du drapeau d'Espagne? Bah oui, rouge et jaune. Comment s'appelle ça? Eh ben ça, c'est pied de mouche, du coup. On dirait un peu le nom d'une plante, le pied de mouche. Ah! Mais l'esperluette, c'est quoi déjà? Ah, c'est ça, esperluette. À chaque fois, je loupe. J'oublie que ça s'appelle esperluette. Ah! Dans le conte de Perrault, qu'apporte le petit chaperon rouge à sa mère grand? C'était une galette et un pot de beurre. Et oui, c'était pas une miche de pain et un pot de beurre, du coup c'était la galette. Et je sais pas pourquoi, moi j'ai de la confiture dans mon subconscient, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'un physalis? Et oui, c'est une plante en forme de lanterne. C'est bien Abracoxix, le chef du village d'Astérix. Et le panda géant est bien une espèce d'ours, c'est bien un ursidé du coup. Je pensais qu'il y avait un piège, mais non. Et le Scrabble français, le J vaut 8 points. Correct. Le vôtre, 100%, 100%. Ok. Ok. Devinez la langue. Oh! Mon Dieu, et il faut répondre? Oh, il faut répondre. Il faut répondre là. En fait, à partir du moment où on va écrire, il y a un compte à rebours qui va se mettre en route. Il va falloir trouver tout avant le compte à rebours. Allez, on essaye. Faire le quiz. Entrez une réponse ici. Alors le premier, tous les êtres humains, bah français. Et si j'écris comme ça, c'est bon? Ouais, ok. Anglais. Ça, c'est de l'arabe, ça? Ouais. Todos los seres humanos, ça c'est espagnol. Espagnol. Ça, c'est hindou? Hindou? Oula. Hindi? Hindou? Indien? Indien? Je sais pas. Non, c'est vietnamien, ça, non? Vietnamien. Pas du tout. Ok. En dessous, c'est du cyrillique. Cyrillique. Russe? Russe? Cyrillique, ça s'écrit comment, cyrillique? Cyrillique, comme ça? Bah zut, alors. Ça, c'est allemand. Allemand. Bah si. Non? Suisse? 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 Suisse allemand? Flamand? 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 Il y a du chinois, il y a du chinois déjà, j'ai vu chinois. Il faut le faire dans l'ordre? Really? Ah non, faut trouver comme ça, pardon. Ah oui, alors ok, il faut sélectionner d'abord. Donc ça c'est cyrillique. Cyrillique. Non? Toujours pas?
Attendez, ce que j'ai vu du chinois. Ça, c'est japonais, ça. Et si je suis pas dessus et que je marque japonais. Japonais. Et si je suis dessus. Japonais. Ok, donc faut être dessus. Faut bien être dessus, du coup. Donc ça, russe, peut-être. Ok, donc c'est bien russe. C'est pas du cyrillique, c'est du russe. Allemand. 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 Devinez la langue. Ok, donc c'est bien la langue, c'est pas l'écriture. Buntu asan zarar ur maitisiet va ekrar. Ça, c'est chinois, ça, non? Pas du tout. Vietnamien. Vietnamien. Mien. Coréen? Pas du tout. Todo soceres et. C'est pas encore espagnol, ça? C'est portugais? Portugais? Ouais. Polonais, lequel? Ça? Polonais? Pas du tout. Ça, ça me parle, ça. À combien de temps? Oh, 1 minute 18. Jamais on y arrive. Hein. Ça, c'est pas, c'est pas indien, ça. Indien. Hindou. Hindi. Watu wate wamazeliwa uru. Ah putain, on dirait du. Bah, africain, je sais pas si. Non. On dirait du zoulou ou un truc comme ça. Adhi na aki zaoni sawa. Wate wa irijiwa akili na damiri. C'est moi, Manumisia, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ça. Toliberi et Eguali. On dirait l'italien, ça. Ok, c'est bien l'italien. Ça, c'est. Ah, c'est. Hindou, j'ai envie de le mettre de partout. Vietnamien. Coréen, non. C'est pas. Mais c'est pas coréen, ça. Coréen. Oui! Oh! Ça, c'est une langue de l'Est, ça. Attendez, j'ai pas envie de voir. Ah, bah, trop tard, on peut pas. Ah, oui, c'est bien ça, c'est une langue de l'Est. Zut! Donc, le vietnamien, c'était lui. Ah, c'est du mandarin. Et oui, chinois et mandarin, ça a rien à voir. Donc, ça, c'était de l'hébreu. Ça, c'était du turc. Mandarin, vietnamien. Hindi, c'est avec un H, Hindi. Ah! À la place du vietnamien. Comment ça? Persan, suédois, néerlandais. Ça, c'est du thaï. Comme le riz. Ça, c'est du grec. Ourdou. Kiswahili, c'est ça le mot que je cherchais, Kiswahili, du malais et du marathi. Oh là là, on est dans la tendance. Hein. Les gens avaient le mandarin, le turc, après ça dégringole. Hein. Oh là là, intéressant. Hein. Pays dans les hexagones, pays en le plus haute densité, non. Classement perpétuel de la Ligue 1, pas du tout. Pas pour moi, ça. Test dictalographie. 100 mots par minute. Oh oui, je mets de côté. Histoire commençant par la lettre C. Nommer ces personnages, lieux et... Oulala. Ville française. Ah, ça me gratte le nez. Ah. Chasse à la souris. Survolez la carte avec le curseur de votre souris. Lorsque vous rencontrez un pays rose, rentrez son nom. Pouvez-vous trouver les 10 pays en question avant la fin du temps imparti? Oh. Ça, je vais être tellement nul, ça aussi. Pays par emoji. Ah, oh, ça peut être intéressant, ça. Tu.
Tuli, pas du pouipouili ou. Pouvez-vous répondre à ces questions sur le jeu d'échecs? Bonne chance. On va essayer. Station de métro à Paris. Les pays qui produisent le plus de pétrole. Super. Il y a beaucoup de trucs sur la géographie. Hein. Les plus grandes villes de la banane bleue. Nommez un mot de 5 lettres valides à Z. Nommez un mot de 5 lettres valides au Scrabble pour chaque lettre de l'alphabet. Chaud ça. Hein. Alors. Faut écrire tout ça en combien de temps? Pouvez-vous taper ces 10 phrases en 60 secondes? Oh, si vous parvenez, vous avez une vitesse de frappe supérieure à 100 mots par minute. J'ai peur. J'ai peur, j'ai envie d'essayer. Je suis pas concentré, là j'ai le micro et tout. Allez. Portez ce vieux whisky au juge blond. Qui fume. Franchement, je suis pas bien parti. Hein. Franchement, ma mère, c'est le cadet de mes soucis. J'ai fait une faute de frappe. Faut une majuscule. J'ai fait une faute de frappe. Franchement, ma chère. Putain. Je vais lui faire. C'est très mal parti. Hein. Une offre qu'il ne pourra pas refuser. Celui qui ne connaît pas. École Pigier. Ah non, 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 why will you? Ah, je bats quand même 53,7% des joueurs, hein, déjà, en n'étant pas concentré. Il faut regarder le Texas. Le Texas. Il faut aller au Texas, il faut regarder le Texas, après tu reviens, et une fois que tu reviens, tu tapes beaucoup plus vite, c'est ça? Ça veut dire que t'as déjà été au Texas, Ketpio? Énorme. Je savais pas. Alors, faire le quiz. Bam. France. Italie. Angleterre. Japon. Australie. Putain, je suis con. Des tigres de Inde. Kiwi. Kiwi, mouton et football américain. What? Ça, c'est Brésil, ça. Brésil, Allemagne. Même pas allemand, Allemagne. Ça, c'est Pâques, l'île de Pâques. L'île de Pâques. L'île de Pâques, c'est où? Et il y a ça, des pingouins et des montagnes. Ça, c'est les États-Unis. 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 Nouvelle-Zélande? Ah bah oui! Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Hélande. Eh oui, 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 bah oui, le football, le rugby. Ça, c'est le Canada, ça. Canada. 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 Ça, c'est l'Irlande. Irlande. Irlande. Ça, c'est la Chine. Fromage, vélo et des tulipes. What? Ça, c'est la Grèce. Chocolat, fromage et pendule. La Suisse!
Tacos du Mexique. Et ça là, on en a deux. Hollande, le fromage Hollande. Ah bah oui, les vélos. Pingouin, la statue d'île de Pâques et des monts. Hawaï. Hawaï, des pingouins. Ah zut, c'est le dernier qui nous manque. 40 secondes. Qu'est-ce que c'est ça? Les trucs d'île de Pâques, là, les grandes statues, c'est où? L'île de Pâques, je sais même pas où c'est en vrai. Oh, il nous en manque un. Pas dit dans le chat. Est-ce 15 secondes. L'île de Pâques, c'est où? Île de Pâques. Chili. On va pouvoir tricher ou pas? Chili. Chili. Ah. J'ai pas réussi à tricher. Ah, on a tout eu sauf le Chili. Bien joué. Ah, c'est le Chili qui revient le moins. Hein. Là où il y a le plus d'erreurs, c'est le Chili quand même. Hein. Intéressant. Intéressant. 100% des gens à la France. Ok, pas mal celui-là. Quiz sur les échecs. Ah bon, ça c'est trop technique ça. Test de dictylophilie, c'est bon. Alors, on en est où d'ailleurs sur le jeu là? Ok, il est 21h, Manof Medan a fini d'installer. Non? Si. Non synchronisé. Réessayez. Allez, synchronise-toi comme il faut. Téléchargement à jour. Parfait. On va reprendre le jeu. Et j'espère sincèrement que bah, que la sauvegarde a été est restée. Que la sauvegarde est toujours en cours. Je vais juste changer. Boum. Oh, zut. Partager les bons trucs quand même. Oui, autoriser l'accès, s'il vous plaît. Je vais juste changer, bien sûr, les infos du stream. Tac, tac, tac. Hop, Manof Medan. J'arrive, les gens. J'espère sincèrement que la sauvegarde est encore valide. Hein. S'il n'y a plus la sauvegarde, je suis dégoûté. Vraiment. On a tellement avancé dans le jeu. Bam. Le jeu en question. Et cœur sur toi, Ketpio. Alors, jouer seul. Oui. Des bisous. À bientôt. Charger histoire. Oui. Oui. Ça marche. Oui. Il est vivant. Il est vivant. Je vais éteindre la lumière, bien sûr, pour avoir un peu plus peur. Et bien sûr, boivez de l'eau. Hein. Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. J'attends près de la radio. Là. Hé. Hey. Y a pas de soucis, Ketpio. Après toi. Oh, attendez, parce qu'il y a un truc qui déconne. C'est que là... Ouais, ok. Je suis pas sur les bons cernes. Ah, attendez. Webcam, non. Bah, décidément.
Ce soir, c'est le festival. Hop. Et live numéro 2, s'il vous plaît. La même. Le jeu, je vous prie, merci. Voilà. Ça, ce sera beaucoup mieux. Bon, on en était où? Alors. Salut. Comment ça va, Julia? Oh, attends. Je vais aller par là. Un truc, là? On dirait les niveaux inférieurs du navire. Alors 100% faut aller par là, mais pardon Julia, je veux juste visiter un peu. On n'a pas le temps. Ah, la lecture. Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie a fini au trou. Mais non! Il s'avère que le soldat Charles Anderson, en permission, s'est enivré d'une façon indigne pour un membre du US Army. Le soldat Anderson se disputait avec un autre soldat ivre. L'officier ayant procédé à l'arrestation a jugé que la confrontation allait aboutir à une rixe en public. Mais, on l'a déjà lu ça. 10 jours au trou. Ça a dû cogner fort. On l'a déjà lu ça. Qu'est-ce que c'est ? Compte rendu de la réunion entre scientifique X. Entre le scientifique X, l'adjudant-chef Walter Bishop et l'adjudant-chef Tom Palmer. En présence du sergent machin truc chargé d'observation et de X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe. Il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose. Le monde occidental doit être protégé de... Que les États-Unis savent que certaines agences s'intéressent aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre. Nos actes... Limités par le protocole de... Ayons... Expérience, il nous est impossible de... C'est chiant à lire comme ça. Bon, très bien. Voilà. C'est pas Jojo... Agent chimique, tout ça, tout ça. Encore des rapports. Lundi, Arthur Miller. Larsin, un jour de détention. Bah ça, on l'a lu tout ça déjà. Ils nous les remettent, histoire de... Joe à l'infirmerie. Si jamais on est passé à côté de quelque chose et qu'on n'a pas fouillé, il nous les... Si on s'en sort, je passe le restant de mes jours dans un bain. Oula. On va sortir d'ici, Julia. J'espère que t'as raison. Je me trompe souvent. Oui. Il y a... Il y a des brouillards sur le sol. J'aime pas trop ça. Ah ! C'est la chambre où s'est réveillé... Notre ami. C'était peut-être le fils d'un membre d'équipage. Et du coup, il y a le squelette là-bas, eh ouais. Waouh! Putain! Pourquoi il dit « Ouah putain, c'est pas le premier qui voit ?» Nom du patient, John Patterson. Grade soldat, né à machin en Texas. Date le 24e. Engagé à affectation à Garland, Texas. Date 2 mars. Durée totale de service. Armée 3 à 5 mois. Névrose modérée. Incapacité ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produite pendant son service. Condition existante avant son engagement en nom. Ok. Cas avéré de quoi? De TSG? De TCG?
traumatisme. Je sais pas. Il a réussi à se calmer lors de la visite. Le soldat Patterson est un jeune homme de 25 ans en bonne santé, à la carrière militaire exemplaire et sans problèmes médicaux connus. Il a réussi à se calmer lors de la visite. Je lui ai fait passer des tests simples de locution, de réflexe, de mémoire et de prise de décision qui ont donné des résultats normaux. Cas avéré de TCG. Je sais pas ce que c'est. Alors, attendez, regarde juste un truc. Je regarde juste un petit truc. Ah, du coup, je suis dégoûté. On était top 1 sur Man of Medan au début alors qu'on jouait pas à Man of Medan. Maintenant, on joue à Man of Medan, on est dernier. Dégoûté. Le dégoût. Bon. Par là ? D'accord. Comment ça va, Julia ? On visite, hein, on visite. Non, pas encore. Viens, viens. Si, bon, trop tard. Viens voir ici. Là. Regarde. C'est la salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur, non? On va voir. Merde! Il n'y a plus d'échelle. Je pense pouvoir sauter d'ici. Attends. Ah bah super. Casse-toi les chevilles. Ouais. Ça ira. Rejoins-moi. Putain, vous êtes des tarés, hein. Du coup, on peut plus remonter, quoi. C'est bien ? Intelligent ? Ah ! Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Vraiment rien vu du tout ? Non. Pardon ? Ouais, je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici. J'oublie que c'est un jeu d'horreur. Personne ne m'a attaqué. Donc, ce bateau transportait l'or de Mandchourie. Mais en réalité, c'était pas du tout de l'or. C'était un produit toxique. Et il y a cette brume bizarre partout, hein? C'est peut-être ça, l'or de Mandchourie. Et peut-être qu'on l'a respiré et que ce truc nous a fait perdre les pédales. J'aurais vraiment juré avoir vu des trucs bien glauques. J'ai peut-être raison de pas y croire. C'est juste que j'hallucinais. Ça paraît assez logique, en fait. On sait que quelque chose leur flanquait la trouille. Ouais. Ils voyaient tous ces trucs déments sur le bateau et croyaient que c'était bien réel. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Je sais pas, peut-être que l'avion a essayé de contacter le navire, mais... c'est qu'une théorie. Bon sang... Ok, faut continuer. Allez, on n'oublie pas que c'est un jeu QTE et d'horreur, hein. Van Leeden Engine Works. Un livre. Registre télégraphique de la salle des machines. Attention, passage en demi-vitesse. L'unité Young s'est présenté pour prendre la relève. Je lui ai confié le moteur à demi-vitesse sans ordre spécial de la passerelle. Une technique en chef. Et sans dysfonctionnement ni maintenance nécessaire dans la salle des machines. J'ai confirmé que le lieutenant Young était sobre et sain d'esprit lorsqu'il a pris la relève à 0000. Signature. 00, j'ai pris la relève du lieutenant Philippe à 000.
Vérifier qu'aucune anomalie n'était... Il n'y a aucun problème signalé. Entrée précédente, consulter. Moteur demi-vitesse, aucun ordre de la passerelle. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les nœuds parcourus, genre? Avant toute, pleine vitesse avant. Avant toute, exceptionnel. Passage en vitesse maximale. Ordre du technicien en chef, couper le courant de tous les éclairages et appareils non essentiels. Arrivée du technicien en chef dans la salle des machines pour inspection d'urgence. Comment ça? Hey, regarde ça. L'encre était jetée. Ordre reçu, stop, moteur coupé. Ordre reçu, mouillage en eau peu profonde. C'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Allez, viens, Julia. On y va. Il se serait passé quoi si à la place on était parti au Japon? La ferme. Pas trop gentil, ce Julia. Il est revenu au début? Y'a rien là? Ah, ça fonctionne quand même, hein? Je l'ai trouvé! Oh, trop bien! Et il fonctionne! Ouais, pas de doute, c'est ça. Faut le rallumer et on pourra retourner là-haut. Comment tu fais pour retourner là-haut? Vas-y, attends. Qu'est-ce que t'attends? Ah! Super, on va pouvoir remonter. Il doit y avoir un autre passage. J'ai fait retour, parce que du coup je voulais aller voir, visiter ailleurs. Et c'est Julia qui a pris le relais. Ça a coupé. Ça peut recommencer, mais on est là. Vous nous recevez? À vous. Quelle est votre situation? À vous. Écoutez, ils ont pris mon bateau. Ils nous ont attaqués et nous retiennent sur le cargo. Faut que vous fassiez vite. À vous. Un bateau de sauvetage avance vers votre position. À vous. Fais chier. Bateau de merde. Ok. Ouais, du coup, on peut continuer l'explo. Hey. What? Mate-moi ça. Le recycleur. Qu'est-ce qu'il fout là? Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke. Tu crois qu'il marche toujours? Il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène. Ça vaut le coup de le prendre? Ça nous fera perdre du temps. Prends. Non, on devrait le prendre. On sait jamais. Certaines parties du bateau sont submergées. Bah, certaines du parti du bateau sont submergées, et puis même, c'est en dehors. Je sais ce que t'essaies de faire. De quoi tu parles? Tu veux? Hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. T'as perdu la tête? Quoi? Non. Je t'en prie. Non. Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Oh, gentil, monsieur. Écoute. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Oh, merde! Ah.
Et tu l'as tué. Il est mort, hein. Ah bah là, allez. Là où il est mort, hein. Le pauvre. Machin, top secret. Il faut pas rester 15 ans ici. À l'attention du caporal. Cercueil débarqué tout à l'heure. C'est sûr qu'il y avait du temps. Inspecter, courir, courir, courir. Putain, c'est elle qui prend tout et tout, la peau. Pas la peine de vous cacher, sale petite merde. Eh, hey, t'es pas gentil, toi. Pourquoi vous refusez de partager tout cet or, hein? Il y en a certainement bien assez pour tout le monde, bien plus qu'assez. Et on est tous du même côté, non? Vous essayez de me piquer ma part? Si je vous laisse pas tout l'or, vous allez me laisser crever, tout seul. Mais c'est moi le capitaine! Et c'est moi qui contrôle. Non! Ah ah! J'ai pas compris. J'ai appuyé trop vite, je crois. On a perdu le recycleur. Allez, épouse-toi. C'est bon, tu crois? Dis-moi qu'on craint plus rien. Il y avait juste à faire ça? C'est bon. Pour l'instant. Allez, barrez-vous! Cassez-vous, restez pas derrière! Okay. What? Ok. Personne ne bouge. Et personne s'amuse à se transformer. Ah, mais c'est lui. Ok. Voilà. Lentement! Ok? C'est bon? Personne change. Ça suffit! Les mains en l'air! Lentement! Non. Allez. Non, pas comme ça. J'ai dit, personne change. Juste, baisse ton arme, allez. Ça nous évitera un drame. Vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un? Vous croyez que j'avais le choix, peut-être? C'est en vous aussi, pas vrai? Est-ce que je me trompe? Ah, ça recommence. Tout ça en train de transformer. Quoi? Quoi? Mais de quoi tu parles? Attention! Restez loin de la brume. Hé, y a pas de brume, là. Respirez pas. Faites gaffe à la brume. Attends, c'est quoi, cette brume? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes. Elle est entrée. Elle est avec nous, là. S'il te plaît, calme-toi! Stop! Stop! Elle est dans l'anneau, pas vrai? Pose ton flingue maintenant, allez! Pourquoi tu me dis ça? Pour qui tu te prends, hein? Si vous l'avez respiré! Ça se produit! Je peux le sentir! Ok. Écoute,
Effectivement, j'ai vu un truc. Un brouillard, une sorte de brume, peut-être. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré. Oui, c'était pas facile à éviter. Oh. Ok. Putain, Julia. Bah, c'est parfait. Voilà, on se demandait qui c'est qui allait mourir. Putain, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Alex? C'est quoi le plan? Par là, peut-être. Putain, je rêve! On dirait ce film à la con, avec le bateau qui coule. Avec la musique en moins. J'hallucine. Y'a pas moyen d'avoir une doublure. Parle de Titanic ou quoi? On parle de Titanic, là. Pour l'instant, j'ai évité de prendre une balle, de faire une chute mortelle, de me noyer, et c'est l'ennui qui va me tuer. Hé ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Ok, message reçu. Va falloir que je descende. Mais tu veux aller où? Putain, on a perdu Julia, quoi. Je crois pas. Tous les épisodes, y'en a un qui crève, quoi. Fou. C'était Brad. Allô? Quelqu'un? Oh, ce plan. On peut continuer là-bas? Ah, la douce musique d'un bateau hanté cauchemardesque. Mais attendez. Ah, ça doit être fermé. Ok. Allez. Il y a un truc là. Un truc à regarder, non? Ambiance là. Qu'est-ce que c'est? Mémoire interne. Tous les officiers de terrain de mission de recherche et de récupération dans le secteur ont donné des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'une des personnes disparues dans la station d'épuration, vous devrez peut-être utiliser des cercueils de petite taille. Ça doit être Hawkins, le pauvre. Il ne reste quasiment rien de lui. Je sais que c'est pas l'idéal, mais il aura droit à des funérailles en bonne et due forme et un respect qu'il mérite. En attendant, ça se dépouille dans les moyens du bord. Ah, ok. Donc les petits cercueils, c'était pas des enfants dedans, c'était des morceaux d'humains. Mais des morceaux... Dans un état lamentable, quoi.
Bah y'a rien là-bas. Non. Ah putain, j'ai failli passer à côté de ça. What? C'est qui ça? Ah, y'a une personne qui veut se pendre, on dirait. Une personne qui veut se pendre et quelqu'un en bas qui dit « Oh là là, mais... » On est habitué maintenant avec Brad, hein. Ok, bon. Peut-être une scène à part entière. Comme elle a vécu... Comme elle a vécu tout la dernière fois, là. Où elle était dans une salle, où c'était tout bien mis en place et tout, tout propre. Ça me dit quelque chose. Je les ai vus, ouais. Ouais, je les ai vus. Ils étaient juste là. Et je savais que c'était impossible. Mais ils étaient là. Et ils me regardaient. Droit dans les yeux. À travers moi. Avec leurs yeux. Avec leurs putains de grands yeux. Tu crois pas? Non. Moi, je te crois pas. Arrête ça. Arrête de me regarder. Tes yeux sont trop... Non. Non. Non, 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 bordel. Je vais te crever les yeux. Non, fous le camp avec tes yeux. Je t'en prie. Ah Ocule. Je déconne pas. Hé, hey, 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 écoute-moi. Respire à fond, ok? C'est pas la peine d'en venir aux mains. C'est bon, je recule. Ok? Allez, on se calme. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a de l'eau là-bas derrière. Tu calmes. Tu calmes. Casse-toi, casse-toi. Tu risques de le regretter. Bah oui, bah casse-toi, juste en fait. Olson a ouvert la porte de la cloison inondant la cale. Mais j'ai réussi, j'ai tapé. Ah non, hein. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Mais si, j'ai appuyé, bordel. Putain, mais... Oh mon dieu. Ouais, dégage de là, ouais. Je comprends pas. J'appuie, mais... J'appuie avant la fin, il faut être plus réactif que le compteur, en fait.
Je suis trop nul. Pour l'épisode numéro 2, on investit dans une manette. Hein. Putain. Ah, elle a bougé un peu. Il va bouger. Il n'a pas été possible de reprendre la tête d'allumage à Olson après un affrontement dans laquelle. Ok. Ah, oh, je suis dégoûté, putain. Flee, je suis dégoûté. Ah, oh, zut, hein. Zut de zut, hein. Alors, notre ami ? Non, pas encore. Ben oui. Putain, c'est vrai, mais il n'y a plus qu'Alex, en fait. C'est lui qui l'a tué en plus. Ah, le bateau de sauvetage là, non? Ou c'était le bateau, leur bateau à eux? Du coup, ils sont tous morts là. Absolument tout le monde est mort. Sauf Alex. Ok, c'est le moment de voir si ça fonctionne. Il nous a parlé. Oui. Allez, mon petit Alex, hein. Courage. Ah, c'est dur, ouais. Tout le monde est mort. Hein. Brad est mort. Julia est morte. Une balle dans la tête par Olson. Ça, c'est connard, ça. C'est connard qui se fait bouffer par les mouettes. Oh putain. Fliss, je suis dégoûté pour Fliss. Hein. Je suis dégoûté, je me suis battu, hein. J'ai essayé, j'ai réussi des trucs. Et putain, la moindre erreur, c'est fatal, quoi. C'est fini ! On joue à quoi jeudi ? Oh la vache. Bonjour, monsieur l'observateur. Tu vas me faire une petite morale ? Tu vas me dire que je fais de la merde et que je suis pas très bon QTE au clavier? Tu peux. Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant.
Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Pas vraiment une fin heureuse. Ou peut-être que si. Chacun a sa définition du bonheur, finalement. Je suppose que quand le rideau tombe, soit on y est préparé, soit on ne l'est pas. Tout est une question de choix, n'est-ce pas? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison, ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope, ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. C'est inévitable. Avec plaisir, monsieur le conservateur. Et bisous. Won't you spare me over till another year? And then the copyright, and 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 the copyright. Eh ben dis donc. Oh. What? Oh, il est pas mort. Il est pas mort. Comme par magie, ce truc envoie un SOS. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme. Waouh. C'est quoi ces conneries? Attendez pas que ça continue après le générique. C'est quoi ce bordel ? Putain. Danny, il a massacré les militaires quoi, qui sont venus le sauver. Vous y croyez ça ? Ah putain, faudra attendre 2020 pour y jouer. Il y a un seul moyen d'y jouer, c'est de retourner dans le passé, quoi. Bon, le jour où on invente une machine à voyager dans le temps pour revenir en 2020, bah, on pourra y jouer. En attendant, bah, c'est mort, quoi. Donc, le prochain, c'est Little Hope. Ce personnage, on l'a vu dans la vision. La dernière vision qu'on a vue, là. Est-ce que ce serait... une vision pour un opus après? C'est cool, ça, par contre, si c'est ça. Tu tentes pas le perfect? Je sais pas. Est-ce qu'il y a... Vu comment je galérais sur les trucs, là, si j'ai pas de manette, j'arriverai pas. J'arriverai pas sans manette. Il faudrait une manette. Et est-ce qu'il y a un but de faire le perfect ou pas? Parce que moi, je veux juste faire l'histoire et aller jusqu'au bout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut le coup de refaire l'histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose à la fin qui se débloque d'intéressant, tu vois?
Mis à part faire les compléter les collections, tout ça, machin. Et là, il y a quelques tableaux qu'on n'a pas eu, du coup. Et nous, c'est lui, là. Vous voyez ? C'est le mec de Little Hope. Ah, bah, il y a marqué Little Hope. En galère. On va rapprocher. Ok, bon, ça a des titres un peu au pif. Un peu au pif, pas trop, mais... Mais effectivement, Little Hope, du coup, il est en plein milieu, en plus. Ok. Du coup, oui, je sais pas si ça vaut le coup de faire le... De faire un perfect juste pour faire un perfect. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire une histoire et de découvrir l'histoire, et voilà. Est-ce que j'ai envie de... Je sais pas. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je voulais voir? Non, je veux pas voir ça. Hop. Ben, tu sais. S'ils survivent, ça débloque de l'histoire. De l'histoire. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, c'est pas faux. Là, si je clique dessus, ça va m'emmener sur une page. Lire la bande-annonce, voir dans le magasin. Oui, je suis majeur. Trente balles. Little Hope. Alors, Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Ça fait 60 euros. Moins 34% si on prend la totalité. Attendez, je vais allumer le... La lumière. Coucou, c'est moi. Donc, on verra bien. On verra. Parce que du coup, là, bah, vu qu'on l'a fini, jeudi soir... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait jeudi soir? Je suis pas, moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire jeudi soir? Ou alors, vu que je reste dans la soirée frisson, je prends un autre jeu d'horreur? Je sais même pas si j'en ai en vrai. Enfin, je dois en avoir, mais... Ou alors, on se fait une petite soirée bois. Ça peut être intéressant aussi. Je verrai selon ma motivation, selon plein de choses. Mais là, Man of Medan, si je veux faire un 100% pour les QTE et tout, il me faut une manette. Hein. Parce que c'est juste pas possible. Au clavier, j'y arrive pas. J'ai pas le réflexe. En fait, je réfléchis trop. Quand le truc il tombe, je réfléchis à où est mon doigt avant d'appuyer. Alors que quand j'ai les touches, c'est instinctif en fait, ça tombe. C'est instinctif. Je serai plus rapide, c'est sûr. Après, est-ce que je vais arriver, je sais pas. Mais je serai plus rapide. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Et puis il est bah, 52, c'est parfait. Au final, il nous restait à peu près une heure de jeu. Donc j'ai envie de dire, quelque part, il n'y a pas de hasard. Hein. Il a fallu le réinstaller, tout ça, faire un petit peu de quiz général au début. Pour changer, pour pouvoir charger, tout ça. Quoi. Donc au final, bon, ça va. Ça va, je suis plutôt content. Donc voilà. Ok. Bah les copains, on va se laisser, on va aller dodo. Dans un des prochains streams, je testerai à passer sur OBS. Parce que Streamlabs aujourd'hui c'est cool. Plein de cœur, bien évidemment. Aujourd'hui, Streamlabs, c'est cool. C'est très intuitif. Mais c'est restreint sur pas mal de sur de la créativité. C'est plutôt restreint sur quelques petites choses. Et OBS, c'est... voilà. Moi qui suis un peu créatif et qui aime bien faire parler ma créativité, j'aimerais la faire parler au travers de mes overlays, de mes scènes, tout ça. Et il y a plein de choses... Genre par exemple là j'ai un overlay, j'ai des trucs, c'est tout con mais
Par exemple, mon truc d'intro, au lieu que ce soit comme ça, en mode normal, quoi, tout autour de l'écran, il y a un espèce de cadre que j'ai rajouté sur OBS. Et autour de ce cadre, donc ça fait un peu un cadre comme ça, sauf que c'est un cadre animé qui bouge au rythme de la musique qui est passée. Enfin, au rythme de ce qui est joué comme son sur le PC. Donc au final, ça bouge en rythme et ça donne beaucoup plus de dynamisme à la scène. Et j'aime beaucoup. Et il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de petites scènes, des trucs qui peuvent apporter beaucoup de contenu créatif, à mon sens. Et aussi de l'interaction avec les viewers. Donc vu que c'est quelque chose qui me parle énormément, je me suis dit, je vais tester. Parce que le seul pas, c'est de franchir sa zone de confort, sortir de sa zone de confort pour aller dans quelque chose dans lequel on n'a pas l'habitude. Et vu que j'étais très habitué à Streamlabs, j'avais peur de partir sur OBS parce que pour habitude, et parce que sur Streamlabs, j'ai mes paramètres, j'ai passé du temps dessus. Et au final, je me suis dit, non, mais j'ai envie de tester. Et puis si vraiment j'y arrive pas, si ça déconne, je repasse sur Streamlabs pour le stream. Mais là, les réglages sont... Ça va, il faut juste que je me familiarise encore avec plein de choses. Mais dans un des prochains streams, je ne sais pas quand, on aura un stream avec OBS. Donc avec pas mal d'interactions, tout ça, mais ça on verra pour les prochains streams. En tous les cas, je tenais à vous dire merci d'avoir été présent ce soir, même si c'était un peu compliqué dès le début. Au final je suis content parce qu'on a eu une coupure dès l'intro avec l'électricité, mais après ça allait mieux, on n'a pas eu de coupure, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Mais il y a eu des petits aléas du direct qui ont fait qu'on en est là maintenant, c'est-à-dire avec Man of Medan fini, pas à 100%, mais l'histoire est terminée tout du moins, et c'était cool, moi j'ai bien aimé, hein. Merci encore à Kimaël et à Petite Lune Bleue pour ce cadeau. Parce que oui, je le rappelle, c'est un don d'Akimael et de Petite Lune Bleue, slash... slash la Team Rocket sur ce live, bien évidemment. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment, c'était cool. Je suis content d'avoir eu cette opportunité de jouer à Man of Medan. Sinon, sans vous deux, j'aurais joué dans longtemps, encore. Donc merci beaucoup, ouais. Merci énormément. On se fait des bisous, on se dit à très vite, on se dit à jeudi soir. Donc jeudi soir, je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qu'on va faire encore. Ça peut très bien être du travail du bois, ça peut très bien être un autre jeu d'horreur, ça peut très bien... Enfin, ça peut être plein de choses. Donc on verra. On verra bien. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, s'il vous plaît. C'est important. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. C'est aussi important. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous kiffe. Je vous dis à très vite. À bientôt sur le Discord. Et à bientôt en live. Des bisous. C'était Aki. À bientôt dans la vie. Oui.